les mètres de haut, fait que c'est pas trop gros. En même temps, quand tu regardes à côté du trail, c'est un peu long. Puis j'avais la chienne, surtout lorsque le bout est pointu. J'étais comme si je prenais une bosse, le pneu, genre un pied en dedans, le bout perce la tripe. Tu n'es pas là pour changer la tripe. Je suis rendu bon pour ouvrir la S22, ça fait plusieurs fois que je l'ouvre et je la referme. C'est chill. Mais j'ai pas le goût. Puis changer un pneu, c'est vraiment forcément. Si vous l'avez déjà fait, vous le savez, là, c'est pas facile d'enlever un pneu et d'en remettre un autre. Ça me tentait pas. J'ai tout grindé, dans le fond, le petit bout ici, sur mes 200 coups que j'avais. Puis je les ai rentrés, mais comme le trail est vraiment fin, j'en ai perdu vraiment beaucoup, là, très en partant. Je pense que ça m'a beaucoup aidé là, au niveau de la traction. Mais d'ici à ce que l'hiver commence, genre, je pense que j'en aurais plus, ou en tout cas, il m'en reste plus grand-chose. Star Ocean nous avait dit dans le chat, c'est qu'il allait plus vers quelque chose de ce genre-là. Il appelait ça des wide holders. Dans le fond, c'est au lieu d'avoir des petits filets, c'est un gros filet. Ça devrait être merveilleux justement dans un caoutchouc mou comme celui d'un vélo, hein, c'est quoi en ce fond-là. D'ailleurs, tu vois, ici, ça a l'air d'un candle, comme on a sur bien des LC. Donc, c'est ça. Ça s'installe super bien, honnêtement, avec justement une petite bulle électrique. Tu as le petit outil qui vient avec une espèce de petite clé hexagonale de genre 4 mm. Puis genre, à part, si ça n'avait pas été qu'il a fallu que genre, je...